Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le 2 minutes avec Vegeta Bleu Evolution, parce que vous l'avez demandé, et puis c'est assez intéressant parce que Vegeta Bleu Evolution, il a la particularité de faire 3 attaques minimum à chaque fois qu'il apparaît, une quatrième si on a débloqué l'attaque supplémentaire, et... Évidemment, je répète depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait, les UT qui ont la capacité d'attaquer plusieurs fois sur un tour sont très intéressants dans les teams demi-nuque ou full-nuque, parce qu'on rentabilise les ki récupérés, parce que c'est pas évident, hein, parce qu'on part qu'un seul leader, il faut aussi ramener plein d'unités changeurs de ki pour que le demi-nuque soit intéressant. Donc, dans cette composition, il y a pas mal de changeurs de ki, je pars avec une team mono-AGT, même si... Je mélange extrême et super, donc voilà, j'ai ramené Janemba qui change les ki endurance en ki agilité. Le Goku SSJ2 qui change les ki bleu en ki agilité. Le Wirush, alors oui, c'est un intrus, oui, mais c'est le meilleur changeur du game. Il change de ki tech et intelligence en ki endurance. Oui, certes, on n'a pas besoin de ki endurance, mais, si je le mets avec Janemba, enfin si je le mets avant Janemba, on aura un plateau full ki bleu et c'est ça qu'on veut. Et puis SV, bon, il est là pour tanker un petit peu et pour donner un peu de boost de stats quand il part en spé. Bon, idéalement, c'est d'avoir super Végéto et Végéta Bleu Evolution derrière. Comme ça, Végéta Bleu Evolution, ça va être une machine de guerre. 30% de boost d'attaque, plus si on arrive à lui donner plein de ki bleu. Ah, il risque de faire très très mal. Il risque de one-shot un peu tout le monde. Enfin, si on arrive à lui donner beaucoup de ki. Hein. Et c'est pas évident. Deux systèmes qui changent les ki, deux systèmes défensifs. Et on va essayer d'affronter Jiren le Gris. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain. Et abonnez-vous et activez la cloche si c'est pas encore fait. Parce que bon, de temps en temps YouTube, voilà, YouTube fait des farces, hein, il désabonne les gens. Donc vérifiez si vous n'êtes pas désabonné désabonné contre votre volonté. Parce que voilà, YouTube, de temps en temps, ils font des choses un peu... Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ah oui, je ne suis pas chez moi, c'est normal. Et puis oui, la bécane que j'utilise n'est pas la bécane que j'utilise habituellement. La caméra est un peu différente. Voilà, la webcam intégrée de l'ordinateur portable n'est pas exceptionnelle, hein, mais on va faire avec. L'idée, c'est de tester cette bécane pour voir si je peux faire des vidéos en déplacement. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage qu'on doit se mettre des bâtons dans les roues. Pour se marrer, parce que là je m'amuse, hein. Ce genre de team, c'est assez marrant de constituer, et là je m'amuse vraiment à créer des teams un peu différents, de jouer des unités qu'on n'utilise quasiment pas, hein. Qui utilise Janemba JT en 2018, hein, dites-moi dans les commentaires, et qui utilise aussi comment il s'appelle, ce Goku qui, bon, il est intéressant, mais bon, il n'a pas d'éveil, c'est un changement qui est intéressant, mais bon, dans les teams mono-agilité, on n'a pas besoin de changeur de ki parce que en général, les unités fonctionnent très très bien entre elles. Donc là, on a quelques ki bleus, mais bon, c'est pas exceptionnel, mais on va faire avec. Alors, ce Goku a la particularité de récupérer 5000 PV pour chaque ki bleu obtenu. Donc c'est pas mal. Derrière, est-ce qu'on a les changeurs de ki? Oui, on a les deux, mais par contre, ah oui, ils sont dans le bon ordre en plus. Du coup, lui, il va prendre beaucoup de ki, ça me saoule un peu. On va essayer de le garder à max pour Vegeta Bleu Evolution. Donc, on va pas toucher. Bon, on va virer les bleus. Enfin, on va le faire. On va virer ça. Bon, il y aura beaucoup de ki bleus derrière. Hein. Bon, tu sais quoi, lui, il part en spé également. Si on arrive à les one-shot, ça m'arrangerait qu'on arrive à les one-shot tous les deux là. Vegeta Bleu Evolution, il est là. Il est là, les amis, il est là. Ce serait bien qu'il finisse le lapin aussi. Ce serait parfait. C'est dommage, il n'a pas fait une attaque supplémentaire. Enfin, une attaque SP. Ça aurait pu être très intéressant. Voilà. C'est très intéressant quand... Pff, voilà, super. Parfait. Très très bonne entame de partie. Là j'avoue que je suis pas mal. La rotation, les deux rotations sont pas trop mal. On est pas mal, on est pas mal du tout. Regardez-moi le plateau. Regardez-moi le plateau qui va devenir un très très bleu. Il est trop bleu. Ah, ça me saoule. C'est un des problèmes en fait. C'est qu'il y a trop de changeurs de ki là. Alors, on va faire un petit ghost, je pense. Oh là là, ça fout le seum. Ça fout le seum de ouf là. Tous ces ki bleus qui partent en fumée. Ah, j'ai mal. Hein. Ah, j'ai mal. J'ai très très mal. Faut en virer les ki arc-en-ciel comme ça. Les ki. Ça, on peut le transformer. Ah, 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 ah.
Oh, pas mal du tout. On va faire ça. Il y a moyen de transformer tout ça en bleu, excepté l'ange. Voilà. C'est pour ça que j'ai ramené deux items de changement de ki. Vous allez voir que. Alors, pareil, tu vois, c'est dans ces moments-là où on s'amuse, tu vois. Je prépare mon coup, je ramène les items qu'on n'utilise quasiment plus, hein, les items qui changent de ki. Bon, on n'est pas sûr de réussir, hein. J'avoue que c'est pas mon premier essai. Mais en même temps, comme je dis, j'ai envie de m'amuser. Je trouve ça juste dommage que les développeurs n'ont pas prévu des systèmes de défis où voilà, on pourrait affronter un boss avec une team composée de R ou de SR, composée autour d'une catégorie différente qui n'a pas forcément d'avantage par rapport aux dégâts, partir avec une team qui a moins de 200 000 PV. Enfin bref, ce genre de challenge serait intéressant à faire, enfin même à proposer aux joueurs. Et en réussissant les challenges, on récupère des DS supplémentaires, des items de soins, enfin pas des items de soins, des items défensifs, pardon, parce que bon, là, des ghosts, c'est toujours intéressant à prendre. Pourquoi pas des Daikai, pourquoi pas des médailles Battlefield, enfin bref, plein d'objets qui pourraient nous être utiles, et pourquoi pas peut-être aussi récupérer des médailles spécifiques pour débloquer un healer chez Baba. Tiens. Voilà, je donne des idées à Kachuki, prenez-les et appliquez-les s'il vous plaît. Donc c'est parti pour le nuque de folie. Alors oui, j'ai pas mis super végétaux. Parce que, tiens, quoi que je pourrais faire ça. Je prends le risque. En fait là, j'ai quasiment un plateau tout bleu. Mais bon. On va essayer d'appliquer la méthode. Hein. Ah, pas mal, bon, c'est juste ça qui va nous gêner. Bon, du coup, c'est parti pour la transformation. Bim, voilà. Bon, on en a que deux qui ont été transformés. Et là, vous allez voir un plateau extrêmement bleu, de type bleu. Voilà, c'est juste des ki bleus, enfin, les ki endurance qui gênent un peu là. Là, j'en perds beaucoup, là, j'en perds qu'un seul. Bon, on va faire ça. Hein. Regardez. Il a combien en valeur d'attaque? Il a 91 000. Et après, 423 000. Alors on va essayer de partir en SP avec lui aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, ça revient même sous terre, on a le changeur de ki. Bon les gars, ce serait bien de one-shot lui, parce que c'est la phase la plus compliquée, hein, c'est du tech, et nous c'est de l'agilité, et le petit compte critique. Un deuxième compte critique, c'est dommage. Bon, la SV, 30% de boost à notre végétaux bleu évolution. Enfin, Végéta Bleu Évolution, pardon. Oh là là, la double attaque SP. Donc 60%, non pas 60%, mais 30% de 30%. Oh là là. Ah, c'est dommage, on se mange une SP. T'es sérieux, Jiren, t'es sérieux. Ouf. Oh, c'est pas passé loin. Heureusement que Super Végéta tank super bien. 2,7 millions en valeur d'attaque. Il attaque encore deux fois. Ah, c'est dommage qu'il n'a pas crit. 677 000 en valeur d'attaque sur les autres attaques. Non, il n'a pas fait de critique. Oh, c'est dommage. Oh, c'est tellement dommage. Bon, là, on va galérer par contre. On va galérer. Non, personne n'a fait de critique. Oh, vous êtes sérieux, les gars. Vous êtes sérieux. Non, mais non. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait là? On peut faire ça pour soigner. Hein. Bah, du coup, on casse notre rotation quoi. Bah, tant pis, allez. C'était sympa. C'était sympa comme concept, mais là, à un moment, faut survivre quoi. Donc, on va faire ça. On va en faire un deuxième ghost. Hein. Un deuxième ghost et les rouges, est-ce qu'on peut transformer les rouges nous? Non, on n'a rien pour transformer les rouges. Donc on va se débarrasser des rouges. Tragirène est compliqué là. Putain, il nous coûte très très cher en item. 2 millions! Bah oui, c'est un nuker, un double nuker, attaque plus 12%, plus les 33%. Mais c'est dommage, il n'a pas crit. D'ailleurs, je suis même pas sûr de l'avoir donné le crit. Ah, si on se mange une spé, on est mort. J'avoue.
Bon, Jiren, s'il te plaît, tu pourrais m'épargner pour cette fois-ci. Ce serait sympa. J'avoue que si on songe une spé, c'est fini. Hein. Pas de spé de Jiren. Allez. Ah, c'est dommage. On fait pas assez de dégâts. Le stress, les amis, le stress. Pourtant, t'as une bonne entame, là. Voilà, double spé de Super Végéto. Qui va faire le café, les amis. Allez, encore une attaque de Jiren. Laisse-moi vivre. C'est bon. Ouf, on a eu chaud, là. On a eu très très chaud. Challenge quand même assez chaud, hein, quand même. 1,6 million. Bon, ça serait bien qu'il se transforme, le Végéta. Bon, c'est pas fini, hein. Il reste encore deux phases. Je suis pas sûr de réussir. Mais bon, au moins, voilà, vous avez compris le principe. Est-ce que ça sera suffisant pour battre le Jiren Wait and see, les amis. Oh, pas mal ce petit plateau. Pas mal du tout. On va faire ça plutôt. On va récupérer quelques PV comme ceci. On part en spé. Très bien. On peut faire ça pour taper plus fort. Ouais, tu sais quoi, vu que tout le monde change de. Enfin, tout le monde nuque. Bon, on va essayer de faire ça. Hein. Derrière, on a qui? On a. Tac, on a Virus qui sert à rien du coup. Bon, on va virer ça. Hein. Du coup, on aura les verts là. Bah, Virus, là, Virus, en fait, que. Non, t'es sérieux là? Combien? 56 000 enfoirés. En fait, Virus, en fait, c'est à double tranchant. Parce que là, on va le payer cher. Parce que là, on affronte deux fois la phase puissance. Et du coup, ouais, là, clairement. Bon, c'était fun au début, mais là, ça va être compliqué. Là. Ouh, le petit critique qui fait plaisir. Ce serait bien qu'il fasse plus souvent le Végéta CJ4. Bon, on va voir si je réussis. Si je réussis pas, tant pis. Oh, on prend trop cher. On prend trop cher, les amis. Aïe, 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 aïe. Ce plateau dégueulasse. Le chien dégueulasse. On va faire ça, je pense. On n'a pas le choix. Ah, que non, j'aurais dû mettre Super Végéto à la fin. Ah oui, j'ai plus d'items défensifs. Effectivement. On va essayer de prendre des kits de sa couleur. Putain, je sacrifie Végéta ici, mais c'est quand même. C'est quand même douloureux. On va cliquer un item défensif. Hein. Faut qu'on claque le Dokkan Mode quand même. Faut qu'on claque le Dokkan Mode très prochainement. Tant pis pour le nuque. Hein. Enfin, le nuque. Vous avez compris le principe. De toute façon, au pire, dès qu'on a l'occasion de nuque avec soit SV, soit avec quelqu'un d'autre. En fait, on peut nuque aussi avec SV. Hein. SV peut être une très très bonne solution. Tu vois, il a attaqué deux fois là déjà. Plus encore deux fois si Jiren ne part pas en spé. Très bien. Allez, bim. 200 000 à chaque fois. Putain, j'aurais donné beaucoup de ki bleu. Il aurait fait très. Oh là là. Ah, j'aurais pu finir là. J'ai un peu le cham. Oui. 1 million. Putain, c'est une machine, ce mec. C'est une machine. C'est dommage qu'il s'est. J'aurais dû le garder. Je vais le regretter, je vais le regretter, je dois attendre deux tours. Là on affronte un monstre. Ouais mais c'est Virus, Virus il me fait peur. Virus c'est un problème. Non. Oh non, j'ai pas le passif de Golden. Ah oui, mais c'est des choses qui arrivent les amis. On va soigner avec ce Végéta, enfin ce Goku. 5000, ouh! Il va nous mettre bien là, bim! Regardez. Chuit. Ah, il nous a mis super bien là. Oh, la musique hyper stressante. Oh non! Le contre! Le contre! Non? Non, pas de contre. Oh, j'ai cru. J'ai cru que l'image s'était figée. Ouf, ça va, 27 000. Oh, j'ai eu peur un moment, je me suis dit non, on va se faire défoncer. Bon, 300 000, on l'a même pas arraché une barre de vie, quoi. Le mec qui a 10 barres de vie, quoi. Bon, ce Goku risque de faire mal. Hein. Enfin, risque.
Ouais, 500 000 quand même, 500 000. Ouais, il a tapé plus fort. Bon, par contre, Golden. Il a plus son passif, ouais, 13 000. Aïe aïe aïe. Ouf, ça va. Virus est hors de. Est hors de portée. Oh, ce plateau qui fouette, quoi. Qui fouette de chez fouette. Voilà, vaut mieux faire ça. On va pas toucher les kits à couleur si possible. On va laisser ça. Ah, on a Vegeta bleu évolution derrière. Oui. Et on a peut-être le Dokkanban à ce moment-là. Tout se joue ici. Tout se joue ici. Tout se joue ici. Maintenant, faut pas qu'on meure. Voilà, c'est tout ce que je demande. Pas de spé. Oh, Alida Jiren, pas de spé, s'il te plaît. Il y a moyen qu'on s'en sorte si il ne m'envoie pas une spé sur Janemba. On tank super bien. Ah, il tient un critique dans ta bouche. Oh, bon, ça va, il tape sur Super Vegeto qui est 100%. Mais on va prendre quand même cher. On va perdre 50 000. Peut-être plus. Ouais, 53 000. Ah, il me reste 39 000. Non! Je dois tanker deux attaques. Ah, je crois que c'est mort. Non, c'est dommage. Bon, challenge pas réussi. Ah, c'est dommage, à une attaque près. Bon. On aura essayé, c'était fun. C'était fun, mais bon. Putain, ça se joue à rien. Ah non, là, c'était au tour suivant, on l'aurait plié. Au tour suivant, avec le Vegeta bleu évolution, on aurait pu lui faire très très mal sur un bon Dokkan mode. Mais bon, c'est dommage, c'est une chose qui arrive. Voilà, un challenge rigolo, très dur. On n'a pas réussi. On le refera à l'occasion en live, mais voilà, typiquement j'aime bien quand il y a de la difficulté de ce genre, parce que du coup, ça nous pousse à jouer différemment, mais sauf que là il n'y a pas de carotte. Personne n'a envie de jouer avec cette composition, parce qu'on n'a pas de carotte, on n'a rien à gagner, excepté le plaisir de jouer des unités qu'on n'utilise quasiment pas. Voilà, j'espère qu'un jour les développeurs prendront en compte ce genre d'idées, tu vois, voilà, proposer des challenges, hein. Faire cet event avec des catégories différentes, des teams différents, des SR qu'on n'utilise plus, etc. Je vais leur envoyer un mail en japonais à Kachuki. On ne sait jamais, peut-être que ça va tomber chez la bonne personne. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On a réussi à avoir pas mal de plateaux full bleu, mais après c'est un peu compliqué, parce que du coup, l'idée c'est de garder les petits bleus pour les autres, mais sauf que, vu qu'on a que des petits bleus, on peut rien faire, quoi. On est obligé de les prendre. Donc voilà, Vegeta bleu évolution est une machine de guerre, vous avez pu le voir. Il faut lui donner beaucoup de ki en 2 minutes pour que ce soit intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu de soutien. Et si tu veux voir mes prochaines vidéos, bah, tu cliques sur les playlists au-dessus de ma tête. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.